Allô tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Comme vous pouvez voir, je suis dans un setup relax. J'avais comme pas le goût d'être dans mon bureau aujourd'hui. J'ai travaillé dans la cuisine ce matin, puis là, je suis dans la salle de jeu des enfants. Donc, j'ai pris une petite table pour jouer. J'ai mis mon laptop, j'ai mes notes, puis je suis comme plus. Je sais pas, j'avais le goût de quelque chose de plus relax. Puis aussi, c'est que le sujet amène plus de la réflexion aujourd'hui, puis des discussions que juste une présentation, si on veut. Fait que j'étais un peu. En autant que je suis pas dans ma toilette. Non, Karine, tiens, je t'aime beaucoup, mais pas à ce point quand même. Là, je t'amène pas avec moi dans les toilettes. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a une belle tempête de neige, en tout cas, tempête. Plusieurs flocons à Saint-Jean. Je ne sais pas de vous, de votre côté, mais ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a beaucoup de neige. Donc, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous parler. Donc, c'est mon petit live solo qui me stresse toujours un peu au début, mais moins, de moins en moins. Puis, même, je te dirais, il y a un côté qui me stresse moins, c'est que je suis comme, au moins, la technique va marcher. Parce que quand j'ai un invité, je suis jamais sûre. J'ai tout le temps un stress, fait que là, au moins, je sais que ça va aller. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous allez bien, est-ce que vous sentez un peu. Bon, évidemment, avec ce qui se passe en Ukraine, je me sens mal un peu d'être comme contente que le printemps arrive bientôt puis que ce soit ça mes considérations, là. Tu sais, j'ai hâte qu'il fasse chaud. Alors qu'il y en a qui vivent probablement une guerre présentement. Fait qu'on s'entend que mes petites considérations de température, on s'en fout un peu. Allô Alain Filiatro, mon père, mon papa. Là, dis pas mes E, là. Dis pas que je fais des E. Mais c'est vrai qu'avec la situation actuelle en Ukraine, c'est un peu. Ça semble un peu futile, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Le web, les réseaux sociaux, mais bon, c'est la réalité. Je voulais revenir, ben, avant de parler de mon sujet du jour qui est, tu sais, es-tu plus team SEO ou team réseaux sociaux? Bon, vous le savez que moi, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez que je suis team SEO. J'adore les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux présentement. J'adore les réseaux sociaux. C'est pas tout à fait vrai. Là, j'ai un peu une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est la majorité de bien des gens. On aime les réseaux sociaux pour ce que ça nous apporte au niveau personnel, de pouvoir être en contact avec des amis, avec la famille, mais également sur le plan professionnel, hein, évidemment, donc, comme ce que je fais présentement. C'est un peu les deux, un mix des deux, le plan personnel où je parle un petit peu de ma vie, de mes affaires, mais dans un contexte professionnel là, du marketing, hein, évidemment. Allô Nadine, allô, allô. Ouais, on peut pas croire, Karine, qu'on en est là en 2022. C'est vraiment triste. Puis tu sais, je suis tellement pas une experte, je pourrais pas en parler. Puis j'ai de la misère à tout comprendre aussi. Tu sais, je comprends pas toute la situation. Je comprends que la Russie, que Poutine fait de la merde, ça clairement. Mais ouais, c'est une situation très triste. Donc, avant de parler des réseaux sociaux, du SEO versus les réseaux sociaux, j'ai envie de revenir sur Catching. Ouais, Axel, je sais pas ce que. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a juste les experts qui comprennent, puis encore là, même eux, peut-être, trouvent ça confus. Je voulais revenir sur Catching la semaine passée, là, et si vous n'avez pas entendu parler de Catching, vous vivez sous une roche ou quelque chose, parce que visiblement, Catching, c'est une espèce d'éclipse médiatique dans le domaine du marketing numérique. C'est un peu comme le Canadien qui gagne la Coupe Stanley, là. Donc, pendant cette semaine-là, pendant la semaine de Catching, tu fais pas de lancement, t'annonces rien, là. Tu restes low profile parce que. Le raz-de-marée catching ramasse tout, là. C'est ça que ça fait. Je suis très heureuse des résultats de catching sur plusieurs plans. Puis, tu sais, j'avais écrit dans une de mes infolettes que si j'allais dévoiler tous mes chiffres, là, si j'étais dans le. Je pense que j'avais dit dans le top 5. J'ai fini 7e. Mais
je veux quand même vous parler des chiffres parce que c'est tellement une expérience extraordinaire en termes marketing que je trouvais ça pertinent de dévoiler quelques informations. Et c'est un petit peu aussi dans la philosophie de Geneviève Gauvin, qui est la créatrice de Catching, du Bundle Catching, d'être très transparente par rapport à ses chiffres, à sa situation financière, à ses dépenses, à même des fois des erreurs qu'elle a faites qui lui ont coûté des montants d'argent importants au sein de son entreprise. Donc, Catching. Pour Catching, en fait, comment ça fonctionnait? Ceux qui viennent juste d'arriver, là, vous vous demandez peut-être pourquoi que je parle de Catching alors que j'avais dit qu'on parlerait des réseaux sociaux et du SEO versus réseaux sociaux. Mais j'avais envie de commencer avec Catching parce que ça, c'est tout frais encore, là, donc c'était la semaine passée. Donc je vous parle un peu de mes chiffres. Catching, comment ça fonctionnait? Le bundle était 257, si je ne me trompe pas, et on avait un pourcentage de chacune des ventes. Donc si je faisais une vente à ma liste, donc que quelqu'un utilisait mon code affilié, mon lien à moi, je faisais 128,50. Donc en tout, j'ai fait, je crois, 44 ventes. Donc, si je fais un calcul rapide, là, je l'avais noté, là, mais donc 44 fois 128, là, mettons que j'arrondis ça, on est à peu près à 5 600 $, OK? Donc, 5 600, c'est ce que j'ai fait par mes propres ventes à moi. Ensuite, Catching, comment ça marche, c'est que tu as 1% quand tu n'es pas dans le top 3. Quand tu es dans le top 3, tu fais 2% du montant final. Là, moi, j'étais pas dans le top 3, j'étais 7e sur 15, donc, tu sais, sur 14, en fait, que j'étais vraiment in the middle. Ça, j'étais bien contente quand même parce que c'était ma première participation et je n'avais aucune idée de combien de ventes je pouvais faire. Et donc, c'est ça. Ensuite, 1%. Le 1% représentait à peu près 5 000 $, là, à peu près. Donc, en tout, j'ai fait à peu près 11 000. Gros, mettons qu'on dit 10 000, OK? Donc, j'ai ramassé 10 000 dans cette expérience-là. Ça n'a pas été gratuit, évidemment, participer à Catching. Donc, mes dépenses, j'ai fait appel à, bien sûr, ma chère Karine Faneuf, qui est tout le temps là auprès de moi pour mes réseaux sociaux. Mais donc, elle a mis des heures pour m'aider à promouvoir Catching sur mes réseaux sociaux, créer des visuels, etc., etc. J'ai pas calculé... il faut que... Et oui, il faut que je te paye, c'est sûr, il faut que je te paye. Mais donc, le temps de Karine. Tu sais, je dirais pas son salaire ou quoi que ce soit, là, mais payer Karine. Payer Sonia Julien qui m'aide au niveau du copywriting. Donc, on détermine ensemble les séquences courriels et elle rédige avec moi. Des fois, c'est back and forth, vous le savez, si vous avez déjà fait de la rédaction... peu importe pour le web ou autre, là, c'est souvent un travail d'équipe et on se relance la balle et on finit par créer quelque chose qui est intéressant. Donc, Sonia également, qui m'avait fait un prix, je ne dévoilerai pas nécessairement le prix exact, mais disons que je suis encore très rentable, on s'entend. Bien sûr, il a fallu que j'ai créé des éléments visuels pour la formation. Bon, évidemment, il fallait que je monte le matériel de ma formation Catching, là. Donc, mais ça, après, c'est un investissement parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir redonner et revendre plus tard, là, ma formation. SEO Pratico, la formation qui était dispo dans le bundle. Et j'ai fait faire un logo pour cette formation-là et un petit brand là, avec des petits éléments graphiques. On s'entend, comme je dis, ça, c'est quelque chose qui peut être réutilisé. Le copywriting... un petit peu moins, parce que c'était vraiment lié à Catching, mais il y a peut-être des éléments... Il n'y a pas tellement d'éléments dans le copywriting que je pourrais me resservir pour vendre ailleurs ma formation, mais peut-être. Il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes, des petites analogies qu'on a faites avec le SEO, vu que c'est ça la thématique de ma formation. Donc, on s'entend. Si, mettons, là, je dis à peu près là, tout ce que j'ai dépensé, j'ai décidé de tourner les capsules chez moi, j'aurais pu les tourner en studio, mais vu que j'avais pas besoin de mettre ma face, ben c'était juste un partage d'écran, ça valait pas vraiment la peine que je loue un studio pour ça, mais j'ai quand même fait appel à une monteuse pour venir enlever les petits
que je fais souvent, et venir enlever les petits moments où, tu sais, je bouge ma... Tu sais, au début, là, où j'arrive, puis je bouge ma souris, puis à la fin, quand je clique sur terminer, ben, tu sais, j'ai fait enlever des petits bouts comme ça, et à quelques moments, je me trompais, donc je donnais un signal à la monteuse, Marianne, je disais, ah ben là, je viens de me tromper, fait que enlève là, le petit bout que à catch, même si elle sait pas exactement le sujet de ma formation, elle comprend que je viens de me tromper. Fait que mettons là, mettons qu'en tout ça m'a coûté 4000. Mettons, j'ai même pas fait le vrai calcul, OK? Mais mettons que ça m'a coûté 4000, j'ai quand même fait un profit de 6000 pendant catching. Et il y a plein d'autres choses, des retombées qui ne sont pas en signe de dollars. Donc, évidemment, ma liste courriel, j'ai maintenant à peu près 1000 personnes de plus sur ma liste courriel. Parce que, bien sûr, ceux qui s'abonnaient à la format... Pas ceux qui achètent le bundle, on n'avait pas accès à leurs adresses courriel à eux. Mais ceux qui s'inscrivent à chacun notre formation, ben rentrent dans notre système d'automatisation. On peut leur envoyer un courriel de remerciement. Puis après, ben ces gens-là embarquent dans notre infolettre régulière. Donc, moi, j'en envoie une par semaine. Mais après, si je vends autre chose, je pourrais les solliciter en fonction de leurs intérêts. Donc, c'est rentable. Au final, c'est une expérience qui est rentable. Bien sûr, ceux qui ont fait le plus de ventes, donc il y en a qui avaient des très, très grosses listes, qui ont une notoriété beaucoup plus importante que la mienne, ont fait beaucoup plus de ventes, donc peut-être des montants de 50 000 là, de profit, si on veut. Là. Tu sais, je connais pas les montants des autres, mais disons. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante et sur plein de points de vue, sur le point de vue humain, sur le point de vue de financier, sur le point de vue de la visibilité. Donc, tu sais, vraiment, je pourrais jamais regretter cette expérience-là et c'est sûr que je vais proposer l'année prochaine une autre formation à Geneviève. Évidemment, c'est elle qui décide puis qui voit un peu son bundle, elle veut qu'il ressemble à quoi. Il y a bien des chances qu'elle le refasse l'année prochaine. Ça se peut qu'elle le refasse pas aussi. Là, je suis pas dans sa tête non plus. Mais clairement que j'ai un intérêt et que je vais lui manifester le temps venu. Fait que voilà la petite parenthèse catching que j'avais envie de faire avec vous. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous surtout pas. Donc, c'était ça, catching cette année. Mon sujet du jour, Karine, là, c'est ça, si vous voulez, si vous avez des questions, Karine pourra les prendre en note pour moi, là, puis on pourra en rediscuter ou je répondrai directement aujourd'hui par rapport à catching. Le sujet du jour, SEO versus réseaux sociaux. Et c'est justement Karine qui m'a proposé ce sujet-là parce que moi, vous le savez, je suis comme team SEO. Je suis consciente que les réseaux sociaux sont super importants, mais s'il fallait que je choisisse, je prendrais le SEO. En tout cas, avant, j'aurais pris le SEO, parce que c'est toujours ça qui m'a servi par rapport à ce que j'ai moi à offrir, qui est des services de création de site web et de la stratégie, visibilité, marketing, t'sais, plan de communication et tout ça. SEO, évidemment. Donc, c'est sûr que en offrant comme service le SEO, je serais un petit peu mal placée de ne pas l'utiliser moi-même comme stratégie, de ne pas en faire la démonstration que les résultats sont intéressants. Donc, c'est sûr que le SEO, j'en fais à chaque semaine sur mon site. Vous le savez ce que c'est, création de contenu principalement. Donc, on crée des articles de blog, on crée des pages, des contenus, on optimise, on améliore la vitesse de chargement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. En fait, c'est juste pour vous mettre un peu au diapason, je sais pas si... Je serais curieuse, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes... Mettons là, que vous aviez à vous donner une note sur 10 par rapport au SEO. Qu'est-ce que vous vous donneriez comme note? OK? Donc, 0, donc complètement push, ou 10. Fait que juste me donner une petite note comme ça. C'est quoi le SEO en fait? C'est. Là, j'ai des petits textos qui rentrent. Donc, je vais juste fermer ça. Je vais juste fermer mes textos. Et voilà. Ah, Michel, tu te donnes 1,5 sur 10. Ah, je suis sûre que t'es meilleure que ça. Si tu
ça, ma formation SEO Pratico, là, t'es meilleur qu'un 1.5 sur 10. Le SEO, en fait, il y a trois piliers. Le principal, le premier pilier, c'est... Le premier, en tout cas, ils n'ont pas d'ordre, là, mais l'un de ces trois piliers-là, c'est l'aspect sémantique. Ma formation SEO Pratico, c'est exactement là-dessus. C'est tout ce qui concerne le contenu. Donc, la recherche de mots-clés, l'analyse de comment on peut se positionner, nous, notre site, par rapport aux autres sites qui sont dans la même sphère d'activité que nous, par exemple. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier technique, où là, on travaille la vitesse de chargement. On veut un site web qui est clean, qui est propre. On veut un site qui a des beaux URL, donc hein, les URL, l'adresse web de chaque page. Donc, on veut des photos qui sont légères, un site qui charge rapidement. Ça, c'est tout l'aspect technique. La majorité du temps, au niveau de l'aspect technique, on a besoin de travailler avec un programmeur parce que ça nécessite des connaissances, des compétences un petit peu plus avancées. Donc, même moi, dans mes formations, je le répète de temps à autre que telle manipulation à faire sur un site, je conseille fortement d'avoir un programmeur parce que on ne peut pas tout savoir, tout connaître, tout faire sur un site web, c'est impossible. Un spécialiste SEO, c'est pas un programmeur habituellement. Ça peut, on peut être les deux, mais c'est beaucoup plus un stratège au niveau de du numérique, des stratégies numériques que un programmeur, un informaticien, un codeur, OK? Donc, ça nécessite des connaissances, des compétences différentes. L'autre point, c'est l'autre pilier, c'est le backlinking. Le backlinking, c'est le pilier qui est souvent le plus négligé parce que c'est le plus plate et le plus exigeant, en fait. C'est que constamment, on doit être à la recherche de backlinks, donc de liens de sites web de d'autres sites qui vont pointer vers notre site à nous. Et ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous pensez, puis je vais aller voir là, les notes que vous vous donnez sur 10, là. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont un impact sur le SEO? Si, par exemple, je mets sur ma page Facebook un lien vers un article de blog, est-ce que vous pensez que ça va amener du jus SEO? Est-ce que ça va avoir un impact direct sur mon référencement? Est-ce que ça va être considéré comme un backlink? Mettre un lien sur Facebook qui pointe vers notre site à nous. OK? Je vous pose la question. Donc, Michel, tu dis que tu te mets 1.5, mais je suis pas mal sûre que t'es mieux que ça. Cool, Karine, 2 sur 10, puis là, 8 sur 10, mais elle veut viser le 10, parce que je comprends ce que c'est tellement important, et à la base, on sait même pas à quel point que ça l'est. Ouais, exactement. Tu sais, moi, là, je peux vous donner une anecdote, là. Ben, c'est une anecdote, en fait, qui, moi, c'est dans mon cas à moi. J'ai écrit un article de blog il y a quelques semaines, en fait. C'était en quelques mois, en collaboration avec Chantal, mon petit, de Espace Moïco. Donc, on avait un échange de services. Elle m'aidait à rédiger des articles de blog. Puis, bon, moi, je faisais d'autres choses pour elle. Et on a écrit un article sur le podcasting. Puis à ce moment-là, j'avais même pas encore de podcast. J'avais pas le podcast avec Maman d'affaires que j'ai maintenant. Puis, by the way, hier sortait notre épisode avec Geneviève Évrel, donc Miss Sushi à la maison. Donc, vous irez regarder ça. Peut-être, Karine, si tu peux mettre le lien de l'épisode de podcast d'hier. Donc, on avait écrit un article sur le podcasting qui, c'est pas nécessairement un service que j'offre. Tu sais, j'offre pas du tout un service de venez chez PF Communication, on va vous aider à bâtir un podcast. Par contre, comme j'offre un service de création de plans de communication, principalement autour du site web et autour du SEO, bien c'est sûr que le podcasting en fait partie parce que si un client m'arrive puis me parle de ses problématiques, puis qu'il me dit, ben moi, je vis telle situation, puis voici les enjeux. Puis là, il me dit, ben mon outil numéro un que je veux utiliser, c'est le podcast. Mais je vais peut-être dire, en analysant la situation, c'est vraiment pas ça que ça te prend, en tout cas pas en priorité. Je te conseillerais peut-être plus telle autre stratégie. Donc, le client m'appelle, il dit, je viens de lire un article sur votre blog, sur le podcasting, vraiment intéressant. J'aimerais ça savoir comment qu'on fait ça, bâtir un podcast. Et là, ben moi, j'ai dit, ben je ne fais pas ça dans la vie. Donc, je lui ai référé quelqu'un.
Mais là, moi, j'ai quelqu'un au bout du fil. Là. La personne m'a appelé. En fait, j'ai manqué son appel. On s'est rappelé par après. Mais j'en ai profité pour poser plein de questions à ce client-là sur sa situation. Et là, il m'a trouvé. Il sait que j'existe. OK? C'est sûr, puis je vous conseillerais pas de faire des articles de blog au début sur des thématiques que vous ne traitez pas vous-même. Mais même si je n'offre pas ce service-là, c'est en périphérie quand même des communications, le podcasting. Donc, j'ai discuté avec cette personne-là et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'un petit plan de com. Donc, je lui ai vendu une petite banque d'heures, 20 heures, pour qu'on analyse ses com et qu'on regarde c'est quoi ses besoins. Et de ce plan de com'-là a résulté une refonte de site web. Donc, on est là présentement en refonte de site web avec ce client-là. On va débuter ça bientôt. Donc, un article de blog m'a fait découvrir par cette personne-là. Évidemment, je ne lui ai pas vendu quelque chose dont il n'avait pas besoin. Je considérais réellement qu'il avait besoin d'un plan de com, un tout petit plan de com. Là, 20 heures, c'est vraiment un mini plan de com. Mais juste pour un plan de communication, c'est, on analyse les besoins, on analyse les objectifs, les publics cibles, la manière dont la personne s'adresse sur ses différentes plateformes. Moi, je m'intéresse bien sûr, vous l'aurez compris, au site web. Donc, c'est sûr que il y en avait besoin. Pour moi, c'était évident. Et avant même de dire... t'as besoin d'un nouveau site web ou t'as besoin d'une stratégie réseaux sociaux que moi, je n'offre pas. Je ne fais pas de stratégie réseaux sociaux, mais je dirige mes clients vers des gens qui font ça dans la vie quand c'est nécessaire. Bien, avant même de faire ça, il y avait besoin d'un plan de com. Donc, la personne m'a trouvé grâce au SEO parce que cet article de blog-là, il l'a vu sur Google en tapant « Comment créer son podcast ». OK? Puis, ça prend des bons call to action dans son site web pour que la personne puisse rapidement nous contacter. Donc, moi, il y a mon numéro de téléphone. Il a préféré fonctionner comme ça, mais j'aurais très bien pu avoir un formulaire de contact ou autre là, pour ça. Là. T'sais, c'est pas... peu importe, là, mais ça prend seulement un call to action, une façon de communiquer. Donc, moi, cet article de blog-là, et plein d'autres, parce qu'on s'entend que c'est pas juste un article, c'est la somme de tout ce qu'on fait sur notre site qui augmente l'autorité de notre domaine, qui augmente l'importance qu'on a sur Google et qui permet qu'on sorte via le SEO. Donc cet article de blog-là, qui m'a peut-être coûté, je dis n'importe quoi, 300$, plus mon temps, plus si ça, ça, à gauche, à droite, m'a rapporté un mandat qui se chiffre à peu près, là, si j'accumule tout, autour d'un peu près un 20 000 $ là, parce qu'il y a d'autres petites choses à côté, c'est pas juste un site web. Fait que clairement que ce n'est qu'une stratégie de SEO qu'il y a derrière ça. C'est pas du tout une stratégie réseaux sociaux, vous l'aurez compris. Donc, je me suis permis, en fait, de me faire découvrir par cette personne-là grâce à un article de blog. Et je vais aller voir vos petits commentaires. Donc, pour ce qui est des notes, ouais, Michel, t'as le bundle catching, fait que tu vas pouvoir regarder ma formation SEO Pratico qui est incluse dedans. Axel a dit, je sais rien, mais j'aurais l'impression que non, que Facebook vit sa vie tout seul, mais que ça peut apporter du trafic sur ton site. Ça ressemble pas mal à ça, la réponse. Karine dit « Ça peut faire office de backlink. Dans ma tête, un backlink, c'est un lien sur un autre site, pas dans un réseau social. » Ah oui, c'est ça, tu dis « Je pense pas. » Mais c'est ça, ça peut pas faire office de backlink. Un backlink, il faut que ça soit sur un URL. Donc, oui, facebook.com, c'est un URL, mais c'est un réseau social. Et je le mets moi-même, mon lien. Le backlinking, c'est quelqu'un d'autre qui met un lien sur son site qui va pointer vers mon site à moi. À moins que j'aie accès à son WordPress ou à son Wix ou à son Shopify, je pourrais pas là, aller faire le lien moi-même. Il faut que la personne le fasse ou qu'elle consente à ce que moi je puisse y aller puis qu'elle me donne ses accès pour que je puisse aller dans son site, ce qui se fait pas vraiment. Là, en backlinking, les gens font les backlinks eux-mêmes sur leur site vers les sites des autres. Donc, ce n'est pas considéré comme un backlink, ça ne donne pas donc du SEO direct. Par contre, Et comme tu le dis, Axel et Karine, ben oui, ça indirectement, il y a quand même un petit quelque chose parce que indirectement, ça apporte une visibilité et ça apporte une certaine notoriété et du trafic. Et du trafic sur un site web, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens aillent sur notre site pour différentes raisons. Première raison, comprendre leur comportement
comment ils consomment notre contenu, c'est quoi les contenus qu'ils aiment, c'est quoi les contenus qu'ils aiment moins. Donc déjà, on a besoin de trafic. Quand on met un site en ligne, on n'a pas de trafic, on ne sait pas du tout qu'est-ce que les gens aiment, puis on peut pas tout de suite se réajuster, on va pouvoir se réajuster par la suite, quand là, vraiment, on va avoir du data, qu'on va avoir analysé le comportement, puis qu'on va savoir, ah ben les gens restent plus sur tel type de page, tel type d'article versus tel autre type d'article. Je vais aller voir les commentaires. Donc, Karine, des regroupements de backlink, t'embarques dans un groupe de... Oui, ben regroupement, c'est pas vraiment ça le terme, c'est un répertoire, en fait. Donc, il existe des répertoires sur le web, des sites qui vont répertorier toutes les agences en marketing numérique ou toutes les agences de voyage ou qui vont répertorier tous les professionnels canins ou de la santé de X sphère d'activité. Et ça, souvent, c'est des répertoires, c'est gratuit. Donc, on peut avoir un backlink sur ces plateformes-là. C'est gratuit, mais tu sais, ça n'a pas autant de poids que d'avoir un lien dans un article ou dans une page, puis d'être le seul. Parce que là, on se retrouve à être avec plein de gens en même temps. Tu sais, c'est un répertoire. Fait qu'il peut y avoir dans la page 100 liens, puis nous, on est juste un parmi tant d'autres. Donc, le SEO, il est pas énorme là, pour nous. Là. Donc, mais c'est ce qui m'amène à parler de sources de trafic. Parce qu'en fait, un site web a différentes sources de trafic et les réseaux sociaux en font partie. Ce qui est juste plate avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc, notre site nous appartient. Évidemment, il faut faire des backups au cas où qu'on soit, qu'on vive une attaque informatique ou autre, hein, on s'entend. Mais notre site nous appartient, notre nom de domaine nous appartient, on fait ce qu'on veut. On a un contrôle complet et total sur le visuel, sur les photos. On n'est pas obligé de se restreindre à un format, la photo carrée dans Instagram ou la story dans un certain format dans Instagram. On peut mettre les formats qu'on veut, on peut mettre de la vidéo, on a vraiment une liberté totale. Donc ça de un. Mais les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Donc notre page Facebook, même les contenus qu'on met sur notre page Facebook ne nous appartiennent pas en théorie. OK? Ça ne veut pas dire que les gens pourraient nous les voler, mais c'est ce que ça signifie. Donc, la journée où Facebook plante, on l'a vécu il y a quelques mois de ça, la journée où Instagram plante ou autre plateforme, bien, si on n'a pas de site web, et encore plus si on n'a pas de liste courriel, parce que si on a une liste, si on a un site web mais qu'on n'a pas de liste courriel, la journée que notre Facebook plante ou que, par exemple, notre page se fait bannir parce qu'il est arrivé une situation X, bien là, on va créer une nouvelle page. Bon, comment on va informer les gens si on n'a pas de liste courriel? On ne pourra pas les informer et dire « Hey, j'ai changé de page Facebook, suivez-moi à tel endroit ou suivez-moi maintenant sur LinkedIn ou blablabla. » Comment qu'on va les informer, ces gens-là, si on n'a pas de liste courriel? Donc, c'est un mix entre toutes ces différentes stratégies-là, vous aurez compris. T'sais, c'est sûr que ma réponse, ça ne serait pas « Faites juste du SEO puis laissez faire les réseaux sociaux. » C'est clairement impossible. Là. C'est sûr que ça serait pas ça ma suggestion. Et si quelqu'un vous suggère ça, ben clairement, c'est quelqu'un qui est dans le champ parce que c'est un mix. En fait, on en parle souvent de toute façon de mix marketing. Donc, c'est les sources de trafic sur un site web qui ont de l'importance. Les réseaux sociaux en sont un, mais la source qui devrait être la plus importante, c'est le référencement naturel, c'est les recherches naturelles. Je vais vous montrer mes chiffres, mon Google Analytics, pour qu'on regarde ensemble ça ressemble à quoi. C'est ma situation à moi. J'ai noté les différentes sources de trafic, je vais vous les nommer, puis on va les analyser après. Mais l'une de ces sources de trafic-là, bien, c'est le trafic social qu'on appelle, donc les réseaux sociaux. L'autre, c'est le trafic direct où là, carrément, la personne a tapé votre URL directement dans son navigateur et elle s'est rendue sur votre site. Donc, si c'est quelqu'un qui vient souvent sur votre site, bien, elle a juste à commencer à taper le nom de votre nom de domaine dans le navigateur, puis tout de suite, elle se rend sur votre site. Donc, ça, c'est un trafic qui est direct. Un trafic organique, donc naturel, c'est le référencement naturel. Ensuite, un trafic de type référent, donc c'est des liens partagés par d'autres sites, donc on est vraiment sur du backlinking. Et il y a d'autres types, d'autres sources de trafic, donc il y a votre infolettre, donc si dans votre infolettre vous avez des liens cliquables, des boutons qui mènent vers votre site sur un article de blog ou sur un projet ou quoi que ce soit que vous voulez promouvoir,
montrer, mais ça, c'est un trafic qui rentre, une source de trafic qui rentre dans la catégorie « Autre ». Ou si quelqu'un clique, par exemple, sur votre signature, dans votre signature courriel, si vous avez votre nom de domaine également. Tout ce qui est marketing, Google Ads ou Facebook Ads, ben Facebook Ads va rentrer dans le social. Et organique, il y a une partie qu'on peut attribuer à la publicité, donc le Google Ads. Mais ça, quand on le fait, le Google Ads, on l'inscrit clairement et on le voit dans notre Google Analytics, ce qui vient du Google Ads, hein, parce qu'on veut savoir combien de leads on récolte par rapport à combien on a payé en publicité. Donc là, je me rends sur mon compte Google Analytics. On va analyser mes chiffres à moi. Après, j'aurais peut-être le goût d'analyser les chiffres de Maman en affaires. Ça fait quelques semaines, on n'a pas énormément de data, mais ça fait quelques semaines qu'on a mis en ligne le site. Donc, j'ai ici mon compte Google Analytics. Je vais juste aller mettre mon écran. Vous devriez, ouais, voir mon écran. OK. Donc, ça ressemble à ça, ici. Donc, Google Analytics. Je suis sur mon site à moi, puis j'ai... bon, j'ai fait une petite faute, là. C'est pas son mon IP, c'est sans mon IP. Donc, c'est mes statistiques sans mon adresse IP. Parce que je ne veux pas venir teinter les chiffres de mon utilisation à moi. OK. Pour savoir les sources de trafic, on va dans « Acquisition » et on va dans « Tout le trafic ». Et là, on peut voir les sources, OK? Donc, les sources de trafic, et c'est là qu'on voit les différentes sources dont que j'ai mentionnées, OK? Donc, on a du trafic organique, direct, social, donc ça, on l'a ici. Ça, c'est Infusionsoft, c'est mon autorépondeur, en fait, ma plateforme d'infolettre. Donc, on voit les liens qui viennent directement de ça. Podia, ici, c'est ma plateforme où j'ai ma formation SEO Pratico avec Catching. Puis là, on en a d'autres, mais tu sais, on pourrait en mettre plus. Mais les principaux, là, les premiers, donc organique, on voit que c'est à peu près 44% qui vient du trafic organique. Donc, 44%, c'est super. On voudrait ça un peu plus élevé, là. Tu sais, l'objectif, là, ça serait même au-dessus de 50. Parce qu'on veut pas non plus... là, c'est quand même très bas, là, ici, Facebook. Je vais juste aller voir si dans le canot... Ouais, je vais regarder les chiffres ici, là. C'est... Parce que là, ici, on a vraiment les sources directes, mais là, je veux aller par famille, OK, si on veut. Donc, organique, on est à 41%, donc c'est bon. Social, 24%, c'est quand même élevé. C'est une très bonne chose, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est pas... Les réseaux sociaux, oui, peuvent avoir un objectif de drive to web, mais c'est pas nécessairement ça. L'objectif des réseaux sociaux, c'est principalement la visibilité, la notoriété, se faire découvrir, tu sais. C'est pas nécessairement d'amener les gens sur notre site. Mais moi, ça le fait. C'est une très bonne chose, je m'en plaindrai pas, mais c'est pas nécessairement ça l'objectif. OK? Direct, donc les gens ont cliqué soit dans mon infolette, soit sur ma signature courriel. Et référé, donc ça c'est 14%, les gens vont venir en cliquant sur des liens sur d'autres sites. Donc ça c'est vraiment une super bonne chose parce que c'est la preuve que là, mes stratégies de backlinking commencent à porter leurs fruits parce que les statistiques sont quand même intéressantes. Puis évidemment, ben, je pourrais avoir des statistiques encore plus avancées où je sélectionne une seule source de trafic, puis je peux venir mettre vraiment des dates un petit peu plus loin dans le temps pour comparer. Puis je peux même comparer deux périodes, donc cette année avec l'an dernier. Donc si je mets par exemple pour cette année, je vais dire ça ici, puis l'an dernier, je mets n'importe quoi, là, c'est juste pour comparer, là. Juste pour que vous voyez. Donc là, je peux voir la période de aujourd'hui, cette année, ben il y a des belles fluctuations à la hausse par rapport à la même situation. Ben là,
v'là quelques mois. Ça marche pas, mon affaire. Attendez. Je vais faire ça comme du monde, là. Quand même. Donc, je vais mettre une année sur une autre année. Là, c'est vraiment, de toute façon, le conseil qu'on donne. Hein? On analyse des pommes avec des pommes. Comme ça. Donc, cette année par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que j'ai des pics ici, notamment. Donc, lundi, le 14 février, c'était le début de catching. Donc, c'est assez normal, mais ça... Ouais, c'est dans toutes les sources de trafic confondues. Mais bref, on peut analyser comme ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est un parmi tant d'autres. C'est, ça pourrait représenter à peu près ça, le quart ou même le 1/5 de votre trafic. Puis ce serait très, très correct, très bien. On ne veut pas que ça soit trop élevé non plus parce qu'on veut pas, on veut vraiment que le SEO, que le référencement naturel soit l'une de ces sources de trafic-là. Et je vais juste remettre... ma caméra, comme ceci. Mais, je vais aller voir les commentaires, OK, avant de continuer. Les réseaux sociaux, c'est vite, beaucoup publié, oui. Ah oui, t'as mis l'atelier, merci Karine, l'atelier qu'on donne la semaine prochaine, ben, le 8 mars et le 12 mars sur le list building avec Maman d'affaires. T'apportes 230 versus, ouais, 41 pour Facebook. Donc, c'est, tu sais, loin de moi, là, l'idée de dire que les réseaux sociaux, c'est inutile. Au contraire, je suis, là, en ce moment, sur Facebook, je m'en sers à chaque jour. Mais, tu sais, l'analogie que je faisais aussi dans mon infolette, de dire, ben, pas parce que t'as un vélo que t'as pas besoin d'auto, ou que parce que t'as une auto, t'as pas besoin de vélo, ben, c'est le même principe. Tu sais, on a plusieurs modes de transport, si on veut dire, pour se rendre des fois à des destinations différentes, mais à des vitesses différentes aussi. Et moi, pour moi, le SEO, c'est du long terme. Ça prend plus de temps, comme le vélo. Tu te rends un petit peu moins vite, peut-être, à destination, mais c'est quelque chose qui, pour moi, a une durée de vie. Parce que l'article sur le podcasting dont je vous parlais au début, là, cet article-là va peut-être m'en amener d'autres clients, parce qu'il est encore sur Google. Donc, il n'est pas mort, cet article-là, comme des posts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas morts. Tu sais, on met des highlights dans Instagram. L'autre fois, je parlais avec ma partner Marie-Ève, maman caféine. Elle disait, des fois, il y a des gens qui me parlent d'affaires que j'ai mis en story il y a genre un an. Puis là, elle se souvient, elle dit, ah oui, c'est vrai, je l'ai mis en highlight sur mon Instagram. Les gens, tu sais, les petites pastilles, les gens vont cliquer et retrouvent de l'information qui date peut-être de là un an, qui est encore bonne peut-être, mais qui date. Donc, c'est pas mort, mais c'est juste que c'est pas l'utilité principale, en fait, des réseaux sociaux qui sont l'instantanéité. Donc, cette petite analogie-là où le vélo, c'est le SEO, c'est plus sur le long terme, mais à mon sens, les résultats sont là plus longtemps. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, Axel, exactement, c'est pas qu'ils sont morts, ces posts-là ou ces informations-là qu'on vient livrer, mais ça tombe évidemment dans l'oubli. Donc, c'est un juste milieu entre les deux, et mais moi, je dirais un petit peu plus de SEO que de réseaux sociaux. Parce que, et surtout, commencer plus tôt que tard. Commencez dès le début à vous intéresser à votre référencement naturel parce que ça va pas payer tout de suite. Ça va peut-être payer sur des longues traînes, des expressions que très peu de gens cherchent, mais qui sont très ciblées à votre sphère d'activité. C'est ça, hein, une longue traîne. C'est une expression comme, je donne tout le temps cet exemple-là, là, mais comment enlever la moisissure dans la douche, ou tu sais, comment enlever le joint, bon, comment rajouter... Peu importe, ou tu sais, tu veux savoir la recette de vinaigre pour faire enlever des taches de peinture ou je ne sais trop, c'est très, très ciblé. Si tu as une pièce de contenu là-dessus ou si tu as une recette de vinaigre mélangée avec du bicarbonate de soude puis je sais pas trop quoi pour enlever la moisissure, ben écris une pièce de contenu directement là-dessus puis la longue traîne. Donc, cette personne qui va taper « Comment enlever les taches de moisissure sur les joints de silicone dans la douche ou dans le bain, autour du bain », bien, clairement, ils vont arriver sur ton contenu, puis ils peuvent pas être plus qualifiés, là. Ils demandent exactement qu'est-ce que toi, t'as à offrir. Donc, c'est merveilleux. Alors que, oui, les réseaux sociaux peuvent servir un peu de moteur de recherche, mais
c'est différemment. Donc, c'est plus au niveau, on va chercher plus les individus que vraiment le service qu'ils offrent. Alors que sur Google, ben, on cherche un service, on sait notre besoin. Des fois, on ne le sait pas, on le cherche, on finit par le trouver. Et une fois qu'on a notre besoin, on cherche, ça serait qui? L'entreprise, l'agence, la personne qui pourrait nous offrir ce service-là. Donc, c'est une manière de... Les gens viennent à nous différemment. C'est vraiment cette conclusion-là, en fait, que je pourrais donner. Dites-moi, il y a juste deux, trois personnes qui m'ont donné que la note sur 10 qui se donne en SEO. J'aimerais bien ça le savoir. Mettez-le dans les commentaires. Puis si vous avez des questions aussi, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. Je vais aller chercher des petites notes. J'avais mis des notes... J'en avais dans mon calepin, j'en avais dans mon ordi. Tu sais, hein, ça fait référence à mon live que j'avais fait avec Karine Ruel. Où je disais que j'étais tellement éparpillée. Si vous aviez sous les yeux mon navigateur, vous seriez convaincu que je suis une personne éparpillée. Mais efficace, quand même! Hein, Karine? Je suis quand même pas pire, hein? Bon, j'en retrouve plus mon document. Bref. Attendez. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des questions pendant que je cherche mes affaires? C'est une bonne question. Clairement, Google, quand on cherche... Mais moi, tu sais, notamment Google aussi à cause de la géolocalisation, parce que quand on est dans des services comme une coiffeuse ou des services de proximité, une pharmacie, un Tim Hortons, bien clairement que ça va être via Google, parce que tu veux que ça soit proche de chez toi. Donc, tu vas taper le nom de ta ville, ou bien de toute façon, tu es déjà géolocalisé, donc ça va... Ils vont le savoir que tu cherches une coiffeuse à La Prairie, à Saint-Jean-sur-Chalieu ou à Chambly. Donc ça, oui, tout à fait, Google le fait. Après, ben, les réseaux sociaux, ça va être souvent quelqu'un qui aime quelque chose, qui partage quelque chose. C'est beaucoup aussi la preuve sociale, les réseaux sociaux. Donc, la preuve sociale, si par exemple, tu vois... OK, tu as trouvé Patricia Filiatro, OK, elle fait des sites web, elle a son agence, elle a une belle équipe, parfait, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Puis là, je vais avoir la preuve sociale, je vais faire, OK, ouais, elle a un certain nombre de followers. Ça veut rien dire, je le sais, il y a des gens très, très, très nichés qui n'ont pas beaucoup de followers, mais qui ont une très, très forte notoriété dans leur sphère d'activité, puis c'est parfait. Mais un certain nombre de followers, un certain nombre d'une activité, donc elle poste régulièrement, tu sais, elle est toujours en vie, Son entreprise est toujours en vie. Tu sais, quand tu arrives sur une page Facebook, puis moi, j'en ai une, là, ma page de PF Communication, je m'en sers plus, puis je me dis des fois que je devrais peut-être même la démanteler parce que je m'en sers pas. Je me sers vraiment juste de ma page Patricia Filiatro, ma page pro, mais de mon nom à moi. Puis je poste à chaque semaine, même chose pour Instagram, donc ça démontre que je suis toujours là, on top of mind, donc quand les gens... vont faire un petit tour sur les réseaux sociaux, puis là, ils me voient, puis ils disent « Ah oui, c'est vrai, ma chum, elle cherche quelqu'un pour faire le site web de son cabinet comptable, je vais proposer Patricia, j'ai peut-être pas travaillé avec elle, mais je la vois aller sur les réseaux sociaux, puis elle a l'air de savoir de quoi qu'elle parle, tu sais. » Fait que, clairement que les réseaux sociaux ont leur très, très grande valeur, mais le référencement, encore plus, selon moi. Tu n'es pas la seule à être éparpillée, merci Michel. Ouais, je m'éparpille parce que j'ai trop de choses que j'aime, en fait. Fait que c'est correct. Toutes mes affaires ouvertes là, sur mon ordi, c'est toutes des affaires que je veux pas oublier et que je veux pas passer à côté. Fait que c'est peut-être un peu ça mon problème. Ça m'énerve quand les gens ont un compte Facebook et pas un site web en lien sur leur fiche. Ben exactement, tu sais ça, je l'ai tellement entendu. Mais c'était surtout au début. Les gens ne pensent plus vraiment ça. Là. Les gens ont quand même compris l'importance d'avoir un site web, mais il y en a qui disaient ben, « j'ai une page Facebook, pourquoi j'aurais un site web? » Mais c'est ça, tu sais, c'est comme de dire « j'ai une voiture, pourquoi j'aurais un vélo? » Mais c'est juste parce que ça comble un autre besoin. C'est complémentaire. Et, encore une fois, ta page Facebook ne t'appartient pas. Ton site, oui. OK? Donc, peu importe ce qui va arriver, ton site
il va toujours être à toi. C'est sûr que tu es assujetti à l'algorithme de Google, clairement, mais sur les réseaux sociaux aussi, tu es assujetti à un algorithme. T'sais, on le sait, là, de moins en moins, l'algorithme est généreux avec les entreprises sur les réseaux sociaux, parlons de Facebook. Des fois, on va avoir je vais poster quelque chose, j'ai à peu près 2000 personnes qui me suivent, puis il va y avoir comme 40 personnes d'atteintes. Là, tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc, peut-être que oui, sur Google, il y a 3 personnes qui vont taper une requête, qui vont arriver sur mon site, mais c'est des gens qui cherchent quelque chose, alors que sur les réseaux sociaux, c'est moi qui est allée à eux beaucoup plus. Ils m'ont vu apparaître dans leur fil de nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin de moi et de mes services. Donc, voilà, c'était mon petit sujet aujourd'hui. Puis là, il y a quelque chose qui vient de me repopper en tête. Je reviens sur mon sujet du début de catching. Quand j'ai parlé, parce que je viens de parler, tu sais, du pourcentage d'exposition de gens qui est de plus en plus bas sur les réseaux sociaux, ça m'a fait penser au taux de conversion des infolettres. Et c'est exactement l'atelier que je donne pour maman d'affaires le 8 mars, le jour de la femme. Les hommes, vous êtes les bienvenus, là, évidemment. Cet atelier-là, on va parler du list building, donc comment bâtir une liste courriel, puis, qui est super important parce que c'est encore à ce jour l'outil de marketing numérique qui convertit le plus. On parle habituellement de 1 à 2 % de conversion. J'aimerais savoir, je pense que je l'ai dit, mais peut-être que si vous avez bien écouté, j'ai fait combien de ventes dans Catching? Est-ce que vous vous en souvenez? Question quiz! Donc, j'ai fait combien de ventes et j'ai combien de personnes sur ma liste? Dites-moi, ça, c'est quoi le taux de conversion? Dites-moi, qu'est-ce que ça dit? Ouais, j'ai fait 44 ventes. Puis, est-ce que j'ai dit au début? Combien que j'avais de gens sur ma liste? Faut y aller avec les gens avant Catching. 40, ouais, Nadine, 40, 44, mais ouais. Est-ce que vous vous en souvenez? J'ai autour de 3-4 000 personnes sur ma liste et j'ai vendu 44 bundles de catching. Ça ressemble pas mal à 1%, 1% cuc. C'est le taux de conversion auquel on peut s'attendre de manière générale en email marketing. Fait que c'est vraiment intéressant. Et même quand j'ai vendu mes premières formations WordPress, quand j'en ai vendu 5, j'avais 500 personnes sur ma liste. C'est réellement le taux de conversion. C'est hallucinant. Puis c'est là... le 8 mars, en fait, Joanne, là, c'est un atelier payant. C'est un atelier de 15$. C'est pas un atelier très, très dispendieux. Karine a mis le lien. Et je vais juste le remettre. Je sais pas si Karine est toujours devant son écran. Je vais le remettre. Donc, c'est un atelier sur le list building. Et c'est ça, je vais parler aussi de taux de conversion. Tu sais, mon ami Philippe Bussière dit tout le temps, à chaque année, il y a un bozo qui va dire que le email marketing est mort, là. Mais tu sais, c'est le email marketing, tu sais, c'est le roi est mort, vive le roi, là, parce qu'il n'est pas mort. Puis, merci Karine. Il n'est pas mort, le email marketing, il est encore bien vivant. Et tu sais, je suis pas une experte d'email marketing, mais j'en fais depuis 2 ans de manière très assidue pour moi. Je le conseille beaucoup à mes clients. Je travaille avec Philippe de Fort 36 pour ça. Tu sais, j'ai rapidement compris dans ma sphère d'activité l'importance du list building et dans ben des sphères d'activité, je vous dirais pas mal toutes en fait, que je monte cet atelier-là pour maman d'affaires là, qui va avoir lieu le 8 mars et on a 2 dates, le 8 et le 12 mars. On le donne 2 fois. Et dans les 2 cas, c'est en live, donc c'est pas en rediffusion. Dans les 2 cas, c'est en live, mais vous allez avoir accès aux rediffusions quand même, dans tous les cas. Et donc, c'est ça, c'est exactement ça, 1 ou 2 % de conversion. Évidemment, ça prend une saine gestion de sa boîte courriel, de sa liste courriel, parce que si tu as plein de courriels qui n'ouvrent plus, plein de gens qui n'ouvrent plus tes infolettes, ben, il faut probablement que tu les enlèves de ta liste. Bref, c'était une petite parenthèse pour revenir sur Catching. Donc, j'ai commencé avec Catching, j'ai fini mon live avec Catching. Je vais aller à vos derniers petits commentaires avant de vous laisser.
L'atelier, c'est le 8 mars, exactement. Merci, Karine. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on répète beaucoup. J'avais oublié de m'inscrire. C'est bon, Axel. Tu vois? Parfait. Excellent. J'adore ça. On répète, mais c'est correct. De toute façon, s'il y a un conseil en communication que je peux donner, c'est de répéter. Répète, 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 répète différemment. Donne des exemples différents, mais répète tout le temps la même affaire. Parce que souvent, ton message, il n'est pas très... il est pas très complexe. Oui, il est complexe parce qu'après, tu as fait un service, tu as ton expertise. Je me souviens plus, Axel, tu es dans quel domaine d'activité, mais... Mais, là, j'ai perdu mon idée, mais... Je le fais aussi avec mon chum. Oui, Karen. Le conseil, donc, de répéter pour que ton message passe, puis tu vas pouvoir le répéter de 10 façons différentes pour faire passer un seul message. Mais bref, ça, c'est un autre sujet, on pourrait faire un live là-dessus. Donc, j'espère que vous avez aimé mon petit live sur... juste, je regarde mes notes, savoir si j'ai pas oublié des affaires. Je voulais parler des sources de trafic. Ah, oui! Juste une affaire, mais ça, on pourra... Cool, Joanne, on va se voir le 8 mars. Une autre affaire que je voulais parler, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est la chaleur des leads, OK? La chaleur, vous savez, quand on parle d'un lead froid, un lead tiède et un lead chaud, OK? Donc, quand on parle des bleus, des gens qui nous connaissent pas encore, qui sont bleus, qui sont froids, nos prospects, ou même pas encore prospects, jusqu'à chaud, où là, sont prêts à acheter, puis sont prêts à passer à l'achat. Ben ça aussi, en SEO, faut considérer la personne à qui j'écris cette pièce de contenu-là, cette page-là, cet article-là, peu importe, elle est où sur ce spectre de chaleur, si je peux m'exprimer ici? Est-ce que c'est quelqu'un de très, très froid qui ne connaît pas du tout, qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas du tout ma situation, son problème, en fait, qui ne sait pas que je peux répondre à son problème? Donc, ça aussi, c'est super important. Je vais en reparler, là, j'ai plus de temps pour aujourd'hui, mais je voulais parler de ça, ces notions de la chaleur du lead et qu'en SEO, on peut vraiment cibler son contenu par rapport aux intentions de recherche de la personne, donc sa connaissance du problème, en fait, sa connaissance de sa situation qu'elle veut changer. Hein? La majorité du temps, c'est ça, là. J'ai un évier bouché, je cherche un plombier, je veux changer ma situation, je veux améliorer ma situation, je veux que mon évier soit débouché. Hein? On se comprend. Ah oui, mon offre de ménage de printemps, Cathy, en fait... Oui, la notion de chaleur, Axel, puis j'en reparlerai. Mon offre par rapport au ménage de printemps, en fait, là, ce que j'offre, en fait, je l'offre à l'année, là, c'est des appels découverts de 20 minutes pour que je regarde avec vous votre site puis que je vous aiguille sur qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour vous. Puis, on a appelé ça ménage de printemps dans le sens que peut-être une refonte, des fois, est nécessaire. Peut-être, des fois, il ne faut pas partir... On ne retourne jamais à zéro, là. On ne scrape jamais un site web au complet quand on recommence. De toute façon, on prend l'existant puis on l'améliore, hein, évidemment. Mais j'offre ça, donc, probablement que tu as vu passer le lien pour les appels découverts. Oups, je suis en train de perdre mes écouteurs. Mais c'est ça. Donc, c'est de discuter, voir comment ton site pourrait être amélioré puis comment je pourrais... être utile. Je te donne des conseils, évidemment. Puis après, c'est de voir si tu veux embarquer dans une refonte de site web. Ben, c'est du cas par cas, là, hein, évidemment. Parce que... Et même si t'as pas de site, là, même si t'as pas de site web, on peut en discuter ensemble. Là. Mais c'est un site, c'est qu'on peut regarder vraiment ta situation actuelle puis voir qu'est-ce que serait ta situation désirée. Donc, tu pourras regarder ça, Cathy, voir si tu veux prendre un appel découverte. Joanne, ben non, pas pour n'importe quelle plateforme. Moi, c'est vraiment pour les sites web et les sites WordPress. OK? Donc, site sur WordPress avec des stratégies de référencement naturel, la majorité du temps que je vais conseiller si la personne n'en a pas encore mis en place. Mais pas les réseaux sociaux, je ne suis pas experte réseaux sociaux et je ne suis pas experte Shopify non plus, Wix. Donc moi, c'est vraiment les sites WordPress. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end. Moi, j'ai vraiment une belle fin de semaine qui m'attend. Ben notamment demain, je fais garder mes enfants pour me reposer. Puis là, mon chum, je sais pas s'il m'entend parce qu'il va me dire que
Il espère que c'est vrai, que je vais me reposer puis que je vais pas travailler. Mais demain dans la journée, ma mère garde les enfants. Ça va faire du bien de se reposer un peu. Et dimanche, on va au Machin Chouette à Saint-Jean. Donc, c'est un genre de petit centre d'amusement intérieur pour les tout-petits. Donc, bon week-end tout le monde. À très bientôt. Contactez-moi s'il y a quoi que ce soit par rapport à votre marketing numérique et vos réseaux sociaux. La semaine prochaine, je vais faire un autre live solo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais c'est un autre live solo. Et je vais avoir une invitée dans 2 semaines. Donc, j'aurai une invitée le 11 mars. Et ce sera nul autre que Caroline Villeneuve, mon associée dans Maman en affaires, qui, elle, est experte réseaux sociaux. Donc, certainement qu'on va parler encore un petit peu des réseaux sociaux. Donc, bon week-end tout le monde. Bye!